Yahoo Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour l'ouverture d'un colis de Noël de la part d'une abonnée qui me connaît depuis très longtemps, que je connais aussi depuis très longtemps et avec qui je suis devenue carrément amie, très très proche, je dirais. Donc voilà, voici à quoi ressemble le petit colis. J'ai déjà très très hâte, honnêtement, de l'ouvrir parce que je connais cette personne et je sais très bien que ça va être encore une dose d'amour et de bonheur par-dessus tout. Donc j'ai vraiment très très hâte et je vous ai attendu, mais ça a été dur, honnêtement. Et pour elle, justement, j'ai pris exprès mon collier avec un cœur parce que juste avant, si tu es curieux, j'ai filmé la vidéo sur mes achats qui est pour la chaîne EB World et ça n'a absolument rien à voir avec ce collier-là. Donc, on va ouvrir ensemble le colis. J'essaie de l'ouvrir, mais en fait, j'avais oublié qu'il y avait du scotch sur le côté. Voilà. Donc, c'est parti. Oh, je vois déjà des trucs. Oh, c'est tout emballé, c'est trop mignon. Oh, mais non, c'est trop mignon. Regarde. Voilà, c'est trop mignon. Mais c'est trop chou. Oh, mon amour. C'est mon petit chiot qui m'a envoyé ça. Alors j'ai dit petit chiot tout simplement parce qu'elle adore les chiens et qu'elle s'était acheté elle-même le médaillon, tu sais, comme les chiens ont avec leur adresse, etc. Voilà, ça c'est mon petit chiot, tu vois. C'est tout à fait elle. Trop mignon. Joyeux Noël. Oh mon amour. Oui, je l'aime par-dessus tout, cet abonné. Alors, coucou, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite de passer de bonnes fêtes. Gros bonnes fêtes. Bisous, Inou. Alors, elle m'a mis ça. Je pense que ça doit être peut-être un sticker, mais je pense que je vais le garder comme ça, comme un marque-page. Voilà. Et après, c'est une carte comme ça, avec une petite pochette. Je trouve ça marrant. Voilà. Merci, mon amour. Ensuite, donc, j'ai vu qu'il y avait ça. Alors, stylo ou bonbon? Je dirais stylo. Enfin, voilà, j'ai... Oh là 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 là, celle-là, je sais que c'est que de l'amour dedans, donc... Crayon en papier. J'étais presque. Hein. Ah, d'accord. Il n'a pas suivi le reste. Ah, je viens de comprendre, c'est un crayon en papier effet bambou, les gamins. Mais en fait, c'est un panda qui a au bout. Et le panda, il est resté dans l'emballage. Oh, trop mignon. Oh, ah, je meurs. Oui, c'est ça. Oh, il est trop mignon. Ah, c'est une gomme. Oh non, il est trop mignon. Oui, je sais, quand c'est elle, je suis toujours comme ça. Alors, tu vois, c'est un aspect bambou. Voilà, je fais ma petite youtubeuse beauté. Et mon petit panda qui va avec. Oh, il est trop choupi. Ah, je meurs. Alors, est-ce que je vais arriver à le remettre dedans? Pas sûr. Si. Il y a toujours le trou. Nya. Non, mais. Voilà. Oh, j'adore les stylos comme ça avec des petits pandas. Ou... Après, le truc, c'est que je les utilise pas. Mais alors, comme j'en ai déjà d'autres. Ça va me faire un pot. Je pense que dans ma future chambre, je mettrai un pot à crayon, panda ou une tasse. Avec tous les stylos comme ça. Et ensuite, je vois quelque chose d'assez grand. Oh là là, c'est lourd. Après, ouais, c'est ça, c'est juste pour caler. Ok. Donc c'est assez lourd, c'est grand. J'adore d'ailleurs, regarde, ouais, c'est un cahier parce que je suis dans les spirales. Regarde le papier cadeau comme il est trop beau. J'adore. Non, faut pas que je me spoil, ça serait con. J'essaie de ne pas regarder parce que j'aperçois à moitié. Pardon, je mets stase. Alors déjà, là,
mais pour qui? Qui? Voilà. Et... il est pas trop mignon. Allez, mettez-le là. Il est trop beau. Oh, si, il est trop beau. Voilà. Mais j'ai pas osé l'utiliser, ça. C'est pas possible. Il est trop beau pour que je l'utilise. Si. Donc, en espérant que ça ait sauvegardé ma vidéo, donc je disais, c'était après un carnet tout à fait basique avec les pages déchirables, mais j'ai trouvé ça trop mignon, l'intérieur qui est juste avec des petits points et le fond rose, mais je trouve ça trop mignon. Voilà. Ah, on peut mettre la date en haut, c'est trop bien ça. Ah, ça c'est trop cool. Ça c'est trop cool, j'adore quand il y a des petites pochettes, c'est toujours pratique. Bon, après il y a une page voilà, qui écrit You are you and we are curious, we are dream and traveler and we believe in what we are doing. Et ben, j'ai réussi à dire tout ça. Ah oui, c'est le nom à peu près de ce qui est écrit sur le cahier. Et c'est la marque aussi Legami de Milano. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Donc c'est de la même marque que le stylo. Donc, bah du coup, un énorme merci Inou, franchement, pour ce cadeau. Tu me touches, tu me... j'ai pas les mots, j'ai plus les mots là, franchement, j'ai plus les mots pour tout ça. Merci pour ton amour, merci d'être là, merci d'être dans mon cœur, merci d'être dans ma vie. Merci tout court, merci, t'es un amour et t'es là, toi. Toi, t'es fait partie de ces abonnés qui sont là, qui sont... On va encore me traiter de chialeuse. De chaleur. Merci. Inou, mon petit chiot, tu peux pas savoir. Merci. Bref, j'ai terminé cette vidéo avant de finir en larmes, hein, que ça coule. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu et que, bah voilà, n'hésite pas à me dire si t'adores les pandas, si tu aimes les stylos, si tu es du genre à collectionner les stylos, si tu es du genre à collectionner les carnets. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. La preuve, tu vois, tu peux avoir en ce moment une vie pourrie et puis avoir une petite Inou qui débarque et qui t'offre des petits trucs pour te remonter le moral. Je te mets la deux précédentes vidéos en recommandation. Je pense que je vais essayer de trouver d'autres vidéos où elle m'a offert des cadeaux. Et ici, tu as mes réseaux sociaux comme d'hab. Voilà. Et je vais juste terminer par... Wouh !